changes. Yo Kassai les amis, c'est Darknexus Exo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Payday 2. Ah non, je veux pas faire ça, ça commence super bien. Je suis excité parce qu'aujourd'hui on va faire le deuxième épisode sur les défis peine de mort. Donc là on va faire un petit deuxième épisode, pourquoi pas. Alors déjà je vous vais montrer que j'ai changé de compétence niveau pour le discret. Il y a des choses que je suis content de l'avoir, il y a des choses que je suis pas très fier. Donc là par contre là j'ai vraiment tout amélioré là dessus donc là ça on va beaucoup s'en servir pour le discret, vous allez voir, ça va être très utile. Donc aujourd'hui nous allons faire un braquage très compliqué mais qui peut être vraiment très simple et qui demande pas beaucoup de points de compétence mais qui demande quand même pas mal de choses. Donc ah oui, et puis je vais me servir aussi d'une autre chose, c'est là dessus dans les pièges d'atouts. Donc là j'ai reçu 1000 points, merci beaucoup. Par contre j'ai été sur cambrioleur mais je sais pas si celle je l'ai équipé. Voilà, là je l'ai équipé. Donc là c'est vraiment pour avoir une meilleure façon de cambrioler discrètement sans avoir me faire avoir par des flics. Donc aujourd'hui on va faire un deuxième braquage. Donc là bon oui j'ai eu 20% de plus d'XP grâce à autre chose. Donc là on va se faire, bon pas un braquage rapide parce que la dernière fois je me suis dit dans la tête vas-y je vais faire à l'ukrainienne, comme ça je vais les baiser, comme ça ils auront qu'une seule vidéo de 5 minutes pile poil, tant pis. Mais non, aujourd'hui on va se faire une autre mission un peu plus meilleure. Bon, la première partie va durer très rapidement parce que je l'ai déjà faite, enfin je la connais déjà. Donc aujourd'hui on va faire sur Election Day, sur peine de mort. Voilà, j'en ai rien à foutre, ça va me coûter 1 200 000 $, je m'en contrefiche. Donc c'est parti, on va quand même commencer le braquage et on se retrouve tout de suite pour la gestion des missions. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, c'est parti, on se retrouve sur la gestion des missions. On va acheter tout ce que nous avons besoin, sac mortuaire, carte d'accès, le getter, bon qui coûte très cher. Ah, ça fait mal au cul quand même, 93 000 pour le getter. Ça fait super mal putain. Bon bref, terminons son ans avec cette première étape qui va durer sûrement très rapidement. Je suis désolé mais vous allez entendre en double je crois, parce que j'ai pas mon casque, donc vous allez sûrement entendre en double jeu en arrière. Donc je suis vraiment désolé, je veux pas faire ça à la base. Merde, bon j'ai déjà un maximum, donc c'est parti. On commence. Donc déjà très rapidement, j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça, on commence très rapidement. Hop hop hop, par là, hop. Non, par là je dis, voilà. Ah, donc, on va faire attention, des flics ici. Oh putain, des civils. Oh mais il y en a combien des civils? Regardez-moi ça, c'est un troupe de moutons qui passe. En plus, le flic là, il reste... Bon, bah, bref, je vais arrêter de crier, parce que sinon, on va me prendre pour un con. Hop. Je suis un produit à Macassi, hein, n'en parlez pas. Et là, je passe. Ouh. Ok. On va passer tout doucement, il y a des flics partout, mais sans pression. On ne panique pas. Déjà il y a un truc là-bas, est-ce que c'est ouvert là-haut? Oui c'est ouvert là-haut. C'est pas censé être ouvert là-haut normalement, hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, je suis passé devant un civil. Oh, je suis vraiment un gros taré putain. Ok, donc ici c'est bon. L'ordinateur, super, c'est ce qui va nous déterminer pour cette première étape qui va durer à peu près 3 minutes. Alors, Kraniche. Hop, on tourne sur le deuxième. Omni-export, Kraniche, Omni-export. Et FT, donc c'est Avalon le bon. Ah! Nique ta mère! Oh non! Oh s'il vous plaît, que ça ne se termine pas dans le mal. S'il vous plaît. Allez, emballe. Oui, parfait, j'ai géré cette situation. Bravo Melvin, mission accomplie. Enfin, mission accomplie, c'est vite dit. Donc là on a... J'ai vu des flics tout à l'heure. Ah! Nique ta mère! Désolé, je tue les civils. Hein. En plus il y avait une carte d'accès. Bon allez, tant mieux l'utiliser. Tant l'utiliser et planquer ça. Voilà. Oh! Et tant qu'à faire, un petit colis. Voilà. Ok, on fait attention parce que j'ai vu un flic tout à l'heure.
Donc c'est avalons le bon. Avalons, avalons, avalons. Là. On met le traceur GPS et voilà. On peut se casser. Je reprends mon parcours d'Yamakasi. En plus, le guetteur me dit où sont les gardes, donc là, aucun problème. Wouhou! Je vais passer par l'entrée principale, en plus, il n'y a personne. On va placer un brouilleur CME pour brouiller la cam. Il est où le cadenas? Là. Voilà. L'étape qui a fini en 3 minutes et 5 secondes. Ça, c'est un truc le plus simple dans cette mission, c'est ça. Ah putain, regardez-moi ça. Bon, je suis déjà niveau 100, mais j'essaie quand même de faire un paquet d'argent pour monter en fric et aussi en XP. Enfin, en XP, enfin, pour... et aussi en compte fort, parce que je vais bientôt passer infamie. Donc, je veux vraiment passer infamie et faire 2-3 braquages en mode peine de mort. Et après, je ferai d'autres peut-être un peu. Je ferai aussi un braquage peine de mort, mais un peu spécial. Vous comprendrez ça plus tard. Bon, mes chers amis, je vous laisse et on se retrouve dans la gestion des missions. Donc, les amis, on se retrouve pour la deuxième jour. Le deuxième jour va être un petit peu plus long que le premier. Bon, c'est vrai que le premier a duré quand même 3 minutes. Hein, c'était rapide. Donc, on va acheter tout ce qu'il faut. Sac mortuaire, échelle entrepôt, le guetteur, qui coûte cher, plus que mon cul, bordel. Alors, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Voilà, donc cette mission-là, faut vraiment la réussir. Hop, voilà. Donc, peine de mort. Je suis vraiment excité parce que c'est quand même un des jours que j'arrive, c'est un des braquages que j'arrive. Hop, la carte d'accès, un petit sac mortuaire et c'est parti, nous y allons. Donc faut faire gaffe aussi aux gardes extérieurs, ils sont très très chiants. Hop, je vais essayer de trouver un pied de biche, qui pourrait être très très pratique dans notre mission. Est-ce qu'il y en a un là? Oui, parfait, un pied de biche, nickel. Hop, on va monter l'échelle. Donc c'est pas un tuto, donc vous voyez, hein, je vais être très très rapide là-dessus. Il y a la salle des caméras qui est ici. Parfait, ça c'est nickel. Ah, par contre, oh non, je vais pas monter le son parce qu'après, ça va être très 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 dérangeant pour vous. C'est une carte d'accès? Oui, c'est une carte d'accès, parfait. Toi, tu crèves. Voilà, donc ça... Ah, nique sa mère. Ça, c'est un truc que j'ai horreur. C'est quand vous allez passer devant les mecs, enfin les mecs qui vous passent devant, vous savez pas où ils sont, et bah boum, vous faites tuer bêtement. Bah, par contre, le garde, s'il passe devant comme ça, est-ce qu'il voit le sac? Non, il voit pas le sac, c'est parfait. Il y a un garde ici. Je vais me faire gaffe. Hop, je vais descendre. Là. Donc voilà, donc déjà, on est dans une bonne situation. On s'est introduit. Il y a un garde ici, ok, parfait, donc je pense qu'il va venir de l'autre côté. On va faire ça comme ça. Il va passer par là. On va passer comme ça. On va regarder ce qu'il y a. Hein. Oh putain, nique sa mère la pute. Pourquoi il passe par là, Sabucci? Ok, parfait. Va par là, va. Ok, parfait. Ah, puis il y a d'autres gardes qui viennent par là. Allez, pute. Non, je t'ai pas dit de passer par là. Donc lui, je suis sûr, il va venir par là, lui, par contre. Ah, pute! Ok, ok, réfléchissons. Ne panique pas, Melvin, réfléchis. Regarde juste ce qui sert de mémoire, enfin, ce qui te sert de mémoire, et rappelle-toi ce que tu dois faire. Donc là, je sais qu'il y a un garde qui est là. Déjà, il y a une première machine qui est ici. Je crois que ça va durer entre 60 secondes et 30 secondes. Ouais, 30 secondes pour celle-ci. Donc déjà, on a trouvé une machine. Que dalle sur celle-ci. On va faire gaffe quand même aux gardes. On va essayer de faire tout ça en discret. Donc lui, il va le passer par là. Parfait. On va mettre une... Ok, bon, bah j'ai mis ma carte d'accès sans faire exprès. Tant pis. Une deuxième machine. Parfait. Nickel tout ça. Alors le paquet de fric qui est ici, je vais pas le prendre. Hein, parce que ça ne sert vraiment à que dalle. Ça peut me rapporter du fric, certes, mais... C'est pas pratique du côté... fric. J'ai pas une deuxième carte d'accès qui traîne. Ah ah! Deuxième carte d'accès, nickel. Ah! Oh! Il y en a qui s'approchent! Ça, c'est chiant, les gardes, ils s'approchent en mode. Nyeh! En plus, il y a une deuxième caisse là, ça pourrait être très utile. Ah, puis encore pire, là, il y a un garde qui s'approche ici. Bon, on va passer par là.
Ok, donc là on a notre garde ici, ok. On peut passer peut-être par là. Oui, on peut passer par là, super. On va passer par là, on va crocheter cette serrure. Putain, c'est du bon, on a déjà trouvé 2 sur 6, il nous en reste 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pourrais aussi voir s'il y en a derrière les camions. Mais il y a des gardes aussi à l'extérieur. Puis il y en a un là. Toi, tu crèves. Est-ce qu'il est voyant au niveau de la fenêtre? Oui, il est voyant, donc c'est pas possible. On va prendre ça et on va l'escorter. Il me reste combien de sacs mortuaires? Il m'en reste un. Je vais aller chercher les deux autres. Voilà. Donc on va aller chercher les deux autres sacs mortuaires très rapidement. Bon, ceux-là, on peut prendre un peu plus de temps hein, pour cette étape-là. Hein. C'est vraiment très très rapide. C'est vraiment du rapide. Hein. Il n'y a pas besoin de... Faut prendre le temps sur ce genre de braquage. Dans le discret, il faut toujours prendre son temps. Bon, moi, là, je vais un peu la va-vite parce que je connais, mais... On va essayer de voir s'il n'y a pas de garde à l'extérieur. Il me semble qu'il y en a à l'extérieur, oui. Et il y en a beaucoup. Est-ce que cette machine-là peut retrouver... On va passer par là. Et une deuxième et une troisième machine. C'est parfait. On va activer cette machine tout de suite. Il y a un garde ici, pas de problème. Il n'y a rien dans le camion? Je suis vraiment... Ça, si vous appelez ça, si vous appelez ça du discret, bah alors là, vous me faites rire. Mais les gardes, ils sont vachement nuls, ils sont vachement cons. Il me semble qu'il y en a un là. Oh, je vois rien ici. Je suis désolé, mais je vais faire un truc, c'est je vais régler la luminosité. Parce que la luminosité est dégueulasse. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ah, je vois mieux là. Oh putain. Je sais pas combien de gardes j'ai tué. Je l'ignore. Oh putain, il m'a fait peur. Donc je vais... On va planquer ça. Je sais pas si j'ai... Combien j'ai détruit de gardes avec des beepers. Je sais pas du tout, les amis. Je crois que j'en ai détruit 2 ou 3. Je sais plus, faut vraiment que je fasse attention. Bon, les caisses, il n'y a pas besoin de refermer, hein. Les gardes, ils vont rien dire. Bon. Ensuite. Putain. Si c'est le quatrième beeper, je suis foutu. Ouais, là, c'est sûr, c'est le quatrième beeper. Ou le troisième. Mais je sais plus. Hein. Franchement, les amis, je sais plus. Là, j'ai un petit doute et j'ai peur. J'ai très, très peur, là. Très, très peur. Mets ça, là. Faut vraiment que, là, je fasse vraiment très, très attention. Parce que là, pour le coup... La difficulté est maximale. Non, on va pas démarrer ça. Coup trop risqué. Par contre, je peux bien ramasser le coup. Si tu passes par là, t'es un homme mort. Ok, t'es un homme mort. Non, je te connais. T'as un garde au-dessus. Là, il y en a un là. Je peux prendre le risque de prendre une perceuse et de percer ça. Je prends le risque. De toute façon, s'il y a ce coin, je suis là. Un coup de couteau, ça devrait le faire. Il y a une caisse en haut, faut que j'aille vérifier aussi. Ah, et comme par hasard, on va démarrer la perceuse. Vite! Parce que tout ça, là, c'est chaud. Là, par contre, c'est chaud. Là.
me suis mis dans une situation difficile. Parce que les flics peuvent voir ma perceuse, donc c'est très 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 chiant. Parfait. Une caisse, nickel. On ouvre. Et pas de machine, ça c'est très 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 désagréable. Dis-moi qu'il y a une machine dedans. Oh merde. Ça c'est pas bon. Oh merde, lui il va la voir. Il l'a vu. Ouais, je crois que c'est mort. Parce que là c'est mon dernier beeper. On paraît que là je vais avoir l'alerte. Si j'ai l'alerte, je recommence. Là, c'est le quatrième beeper. J'ai plus le droit à l'erreur. J'ai eu de la chance. J'ai eu grave de la chance. C'est le quatrième beeper. J'ai plus le droit à l'erreur. Donc là, ça va être très, très, très dur. Ah oui, donc là, oui, ils peuvent... Je vais la mettre là, ils peuvent pas voir. Ok. Là, c'est très, très chaud. Très, très, très chaud. Très chaud. Deux machines sur 6. Enfin, 4 machines sur 6. Il me reste plus beaucoup à trouver. Faut vraiment que j'éloigne les gardes. Essayons de les éloigner. Je fais gaffe. Il doit y avoir une machine ici, normalement, à faire fonctionner. Voilà. Ça va les attirer. Ça les fait attirer, parfait. Allez, ouvre. Oh, une cinquième machine, plus qu'une. Et on aura fini avec ça. Il y a d'autres machines. Pas de machine ici, ok. La dernière doit être dans cette pièce de l'autre côté, c'est sûr. Ah oui, il faut que j'aille en voir en haut. Très 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 chaud. Très 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 chaud. Oh putain. Putain, il tourne en rond ce fils de pute. Hein. Ok, on va passer par là, on va pour aller de l'autre côté. Et lui va l'éteindre. Parfait. Donc lui il l'a éteint. Ce qui va les faire forcer à aller par là déjà. Et la dernière machine. Et voilà mes chers amis. Oh merde. Ne t'approche pas de moi. Ok. On va se barrer. Ouh. Voilà mes chers amis, nous avons réussi. Wouh. Regardez-moi tout ce gold. Oh, pour moi c'est une pure cocaïne, ça c'est vraiment une pure cocaïne. Et voilà mes chers amis, nous avons réussi ce braquage à merveille. Nous avons réussi. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Nickel. Ça a pas duré longtemps, je vous l'avais dit hein. Alors vous faites 3 minutes plus... ouais, ça a fait environ 16 minutes le braquage. Putain, ça a duré moins longtemps que l'autre. Enfin, je trouve. Allez, mes chers amis.
on va mettre l'or dedans. Et là, ça va faire... Oh putain, 663. Oh putain, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ça va remonter mon compte au chefort et mon fric. Oh putain de merde. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon tout ça. Oh, c'est bon. Oh, oh, c'est bon. Et voilà, mes chers amis. Oh merde. Allez, c'est parti, on se casse. On se casse. On se casse, on se casse. Et j'ai reçu 20%, plus 20% d'XP sur mon prochain contrat. 4 millions. 4 millions, mes chers amis. 4 millions en Rochefort et 1 205 000. Nickel tout ça. La vache. Ah, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Oh. Allez, mon petit jour de paye. Je prends le milieu aujourd'hui. Dommage que j'ai pas d'accessoires, dommage. Mais c'est pas grave. Une couleur, gris clair et gris foncé. Pas mal. On pourra faire ça avec un nouveau masque. Qui pourrait être très utile plus tard. Donc voilà, voilà. Regardez, plus que 30 millions et je pourrais passer en famille. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, bah, voilà, voilà, hein, on a réussi cette mission. Donc, je suis plutôt fier de moi, hein, parce que Election Day est quand même l'un des braquages les plus difficiles. Parce que vous savez, hein, les braquages avec l'éléphant, c'est que du discret. Et dans la plupart, c'est oui, c'est que du discret. Donc, normalement, hein, si je vais vérifier dans l'éléphant, normalement, c'est que du discret. Hein, si je vais voir. Voilà, voilà, c'est que du discret. Pétrole en péril, collectionneur, Election Day. C'est vraiment que du discret et je trouve ça assez impressionnant. Donc, mes chers amis, donc j'espère que ce braquage vous aura plu parce que là ça a été vachement rapide, donc n'hésitez pas à me faire partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, dites moi si vous voulez encore plus de ce genre de vidéo parce que moi ça me plaît vraiment de vous montrer quand même mes capacités dans le discret. Donc mes chers amis, je vous dis passez un très bon dimanche et à plus tout le monde. Allez, ciao.